Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue sur la chaîne. Et eh bien aujourd'hui, si tu as cliqué, c'est que peut-être tu as des ampoules quand tu marches longtemps. Et eh bien aujourd'hui, je vais te donner toutes les astuces et les trucs pour pouvoir éviter justement d'avoir des ampoules. Donc, allez, on y va, c'est parti! Eh bien, première astuce pour éviter d'avoir des ampoules, c'est bien sûr de faire son pied. C'est-à-dire eh marcher, 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 s'entraîner tous les jours 5, 10, 15 km par jour avant bien sûr de partir dans ta grande randonnée, quelle qu'elle soit. Deuxième chose, bien sûr, après avoir fait son pied, il faut faire ses chaussures. Eh bien, c'est quoi faire ses chaussures Eh bien, si tu as, par exemple, des chaussures neuves, eh bien, le tout, c'est de marcher régulièrement, tous les jours, pour que ta chaussure s'adapte à ton pied, ou que ton pied s'adapte à ta chaussure. Et donc, euh, comme ça, la chaussure s'assouplira, et euh, le jour J, tu pourras marcher tranquillement, sans avoir mal au pied. Troisième chose, c'est avoir les bonnes chaussettes. Et quand je dis « bonnes chaussettes », c'est bien sûr avoir des chaussettes techniques. Il faut absolument que tu évites les chaussettes style coton, parce que le coton, ça absorbe l'humidité, et quand c'est mouillé, et bien dans ton pied, ça va faire « floc, 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 floc », ça va faire des échauffements au niveau de la peau de ton pied, et bien sûr, les ampoules apparaîtront. Donc, le mieux, moi, ce que j'ai trouvé, c'est sur Decathlon, c'est des chaussettes avec des renforcements au niveau du talon, au niveau des pieds. Et franchement, ces chaussettes-là sont très bien. Elles s'adaptent bien à ton pied. Et ces chaussettes-là, donc, sont parfaites, justement, pour ce genre de randonnée, pour t'éviter d'avoir des ampoules. Ah oui, et puis, le truc essentiel aussi, c'est que tous les jours, tu dois marcher avec une paire de chaussettes propres et sèches, surtout. Ça t'évitera d'avoir des problèmes. Alors, bien sûr, la chose essentielle, c'est d'avoir les bonnes chaussures. Et pour avoir les bonnes chaussures, il faut que tu choisisses la bonne taille vraiment adaptée à ton pied. C'est-à-dire la taille en longueur et en largeur aussi, parce qu'on oublie la largeur, c'est très important. Et bien sûr, il ne faut pas lésiner sur la qualité des chaussures. Moi, par exemple, j'ai investi dans des Lowa Renegade, c'est des chaussures en Gore-Tex, j'ai pris des chaussures larges parce que j'ai un pied large. Et bien sûr, pour s'assurer que la chaussure est à ta bonne taille, il faut surtout pas que le bout de tes orteils touche le bout de la chaussure. Et bien sûr, il faut faire attention au niveau de derrière le talon d'Achille. Et donc, en fait, quand tu essayes les chaussures, il faut que tu puisses passer un doigt derrière pour que tu aies de la marge derrière. Autre chose importante également, c'est le lassage, c'est-à-dire qu'il faut l'adapter en fonction du terrain. Par exemple, si tu es en descente, eh bien le lassage, déjà, il faut serrer bien fort au niveau de la cheville, comme ça ton pied, il n'avance pas dans la chaussure et risque pas de toucher le bout de, de la chaussure. Et tu peux adapter, si tu as le temps, bien sûr, le lassage en le faisant droit et non pas croisé comme là je l'ai sur la chaussure ce qui fait que ça maintient bien ton pied il ne bouge pas et donc tes orteils ne toucheront pas le bout de la chaussure et bien sûr tu éviteras d'avoir des ampoules au niveau des orteils et bien sûr après ta longue journée de marche il faut reposer ton pied et pour ça moi je le masse tranquillement histoire de le décontracter une autre chose pour préparer ton pied à une longue marche, c'est de le préparer ton pied. Et pour ça, eh bien, il faut utiliser une crème qui va permettre de renforcer ton épiderme au niveau du pied. Et donc, pour ça, moi, j'utilise une crème toute simple. C'est la crème Noc. C'est une crème très très connue. Et donc, cette crème-là, tu l'adaptes en fait, tu l'appliques, pardon, pendant trois semaines, tous les jours avant de partir, et après, pendant la marche, tous les jours, le soir, quand tu masses ton pied, justement, et eh bien tu masses ton pied avec cette crème, et tu verras que c'est une crème miracle, puisque avec ça, je n'ai jamais eu d'ampoule. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Et enfin, bien sûr, si jamais tu arrives à avoir des ampoules, malgré tous les conseils que je t'ai donnés, eh bien tu peux, bien sûr, prévoir de prendre des pansements, justement spécial ampoule, il y a la marque compide qui fait ça. c'est des pansements spéciaux pour les ampoules. justement ça te protège ta peau. et puis, euh, comme ça, ça évite de refrotter dessus le lendemain quoi. donc, voilà. j'espère que cette vidéo t'aura été utile. et normalement, si tu suis tous mes conseils, tu n'auras pas d'ampoule, puisque ton pied sera nickel et protégé pour tout les incidents éventuels quoi donc sur ce je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je te dis à bientôt ciao